Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une tentative donjon. Donc aujourd'hui on va essayer de tenter de faire en solo le donjon Abrachnid. Pas le CM, hein, juste le donjon Abrachnid. Non c'est pas lui qu'il faut parler, c'est Otranknid qui est ici, Tronky Bouzop. Utilisez tronçon de clé. Donc juste petite dédicace à Lunatic, qui est un abonné qui avait envie de passer dans une de mes vidéos. J'ai dit que j'allais bientôt que je venais d'en terminer une, mais que j'allais sûrement recommencer. Donc petite dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben on va essayer de faire le donjon, hein, tout simplement. Je pense que ça peut être pas mal de voir un petit peu comment je me débrouille en PVM avec mon roublard. Et comme ça, bah, vous pouvez faire une petite idée de si j'y arrive. Hein, je vais même regarder pour faire les succès. Dans un premier temps, je vais essayer de le réussir à le battre, hein, déjà. Ce serait pas mal. Parce qu'il est dans la catégorie. Si je ne me trompe pas, il est ici. Non. Un peu plus haut, voilà. Donc, cette Abrachnid ancestral en premier. Duo, bah ça, normalement, je devrais y arriver. Et utiliser tous ces PM. Donc, c'est pas super compliqué à faire. Mais bon, on va voir comment va se dérouler le donjon. Et puis, avant d'en dire plus. Alors, que fait-il? Donc, le Tronknid a fait comme une sorte de glyphe, je sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas fait le donjon Abrachnid depuis très 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 longtemps. Mais quand je vous dis longtemps, c'est pas depuis que je crois avant les donjons modulaires, donc ça date. Inspirateur et aspirateur, voilà. Donc en plus j'ai regardé l'Abrachnid. Oui, le donjon Abrachnid, il y a pas mal de mobs qui ont des moins résist feu, donc ça devrait être pas mal. Donc là, on va terminer l'Abrachnid qui est ici. Voilà. On va se mettre un petit kaboom pour pouvoir traverser nos murs. Et aller en remettre un là derrière. Voilà. Comme ça, la Abrachnid sombre se prend pas mal de dommages en plus. Donc voilà qui est fait. Par contre, l'arbre collant, là, je vais le tuer parce qu'il va m'emmerder, je le sens bien. On va faire un petit pulsar là-bas. Voilà, un CC à 585, donc ça c'est pas mal. Et on va essayer au prochain tour de remettre un mur en place pour essayer au moins en mettre un dedans. Voilà, on met un petit roublabot et on fait le tour. Et on va aller taper une petite extraction sur la Abrachnid qui est ici pour essayer de reprendre notre vie, pour éviter d'utiliser du pain pour rien. Voilà, j'essaie de jouer avec les raccourcis pour que ça dure le moins de temps possible, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant de voir toutes les salles. J'essaie ce genre de vidéo pour voir ce que vous en pensez surtout, et si ça vous plaît tant que ça, j'essaierai de faire ça et d'en faire plus souvent. Et donc voilà, alors. Alors, petite dédicace à la team Ange et Démon. Voilà. Donc, c'est un petit MP que je viens de recevoir. On va mettre un coup de cac sur l'arbre collant. Donc, par contre, les Abrachnids ont l'air d'invoquer beaucoup. Et c'est assez casse-couille puisque je déteste ça, les invocations. On va essayer de le terminer ainsi. Voilà, et on fait péter. Et on fait encore péter. Et normalement, il devrait mourir. Voilà, qui est fait. Donc, première salle, check. Par contre, on n'a pas fait de challe. On va essayer de jouer un peu plus intelligemment les salles qui viennent.
parce qu'on a déjà deux nouvelles familles de monstres qui apparaissent, qui sont les arachnides vénérables et l'arachnotron. Donc par contre, avant de lancer, je vais reprendre ma vie. Je vais me mettre ici parce que si je me souviens bien, l'arachnotron, il a pas énormément de vie. Faudrait que je puisse le voir par contre. 900. J'arriverai pas à le terminer à ce tour-ci. Ah merde, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Ouais, super intelligent, bien joué. Je vais faire le premier challenge, hein, tuer l'arachnotron en premier, comme ça c'est bon. On va jouer un peu plus bourrin à ce tour-ci, à ce combat-ci, parce que les mobs ont beaucoup moins de vie. Par contre, je comprends pas pourquoi les résistances des mobs ne s'affichent pas. On a vu c'est encore un petit coup de lag. Non, elle veut vraiment pas s'afficher, donc je saurais pas vous montrer les résistances, malheureusement. Voilà, on va poster un petit mur. Un coup de cake pour le terminer. Voilà. Et prochain tour, je vais essayer de faire un truc pas mal. Je vais foutre une bombe là derrière, je vais me transpo dessus. Ouais, non, Dofus est en train de vraiment en bug. Donc à mon avis, après cette salle-ci, je ferai un petit décor quoi. Parce que ça bug pas mal et je pense pas que je vais essayer de... Oh là là. Il y a même le bouton près qui bug. Enfin, ouais, génial. Donc après, à la fin de ce combat-ci, normalement, fin du tour prochain, ça devrait déjà être bon si j'arrive à faire mon combo comme je veux. Donc je vais essayer de vous montrer pour que ça prenne pas trop de temps. Voilà, on place une bombe. Mon dernier souffle. Et on fait tout péter. Voilà. Donc il n'y en a que un qui a survécu. Il reste plus que 300 de vie. Prochain tour, il est mort avec un petit pulsar s'il va pas trop loin. Voilà, s'il veut bien passer le tour, bien sûr, encore une fois. Aïe aïe aïe. Un bug comme ça, je crois que j'avais jamais eu avant. C'est pas mal, franchement. Moi, je vais quand même bouger. Pour éviter qu'il aille trop loin. Comme ça, je lui cale un pulsar. Même pas. On va aller au cake. Profiter qu'on peut en faire... Ouais, j'allais justement dire profiter qu'on peut en faire deux par tour avant la mise à jour. Mais j'aurais pas pu en faire deux. Voilà. Pour terminer. Donc deuxième salle, ok. Donc je vais faire ce que j'ai dit. Je vous fais une petite pause et je vous reprends. Je fais juste un décoreco pour voir si le launcher bug encore. À tout de suite. Donc voilà, pour vous ça a duré 1 minute, moi ça a duré même pas 1 minute, hein, 1 seconde puisque c'est une fraction. On est bon, on est reparti. Normalement ça devrait plus bugger. J'ai relancé carrément le launcher. Il devrait plus avoir de problème avec ça. Donc ce qu'on va refaire cette fois-ci, on va encore se mettre près de l'arachnotron. Cette fois-ci, on va se booster. Ah voilà, on voit enfin l'hérésie. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas tué l'autre fois, c'est parce qu'il a quand même 17% en feu. Le sombre, il a moins 12. L'abrachno sombre en a 32% et le vénérable en a 2. Donc je vais encore essayer que ça aille assez rapidement. Voilà les mobs qui foncent vers moi, donc ça c'est pas mal. Je vais encore essayer de refaire ma petite technique des 3 bombes. Voilà, un petit coup de cac. Voilà, par contre je vais aller là. Parce que j'ai pas envie de rester dans le glyphe du Tronknit, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai pas envie d'essayer. Donc voilà, on va faire en sorte que... On va bêtement se transpo. On va mettre une monte, faire un petit triple mur. On va se mettre là-bas, on va pousser la brachnite dedans. Et je vérifie si ça sert à quelque chose de tout faire péter. Non, on va les laisser dedans. Et on fera tout péter à un prochain tour. En plus de ça, j'ai réussi le premier challenge, j'ai même pas fait attention.
Le deuxième tchal, pardon. Mais qui était le tchal premier, donc voilà. Alors, on va aller au cac sur le sombre. Donc là, Aztec qui est quand même un cac assez aléatoire. Quand j'ai choisi de prendre ce cac-là, franchement, je pensais pas que ce serait aussi aléatoire que ça. Mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave, hein, vous allez me dire. Alors. On va le mettre là. Ça fait un petit mur. J'ai encore un PM. Je vais taper encore le sombre pour essayer qu'il meure à ce tour-ci. Voilà, comme ça je reprends un peu de vie avec extraction comme je peux. La braque n'est quand même assez. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué comme mob. Mais il est assez chiant. Donc là par contre la libération, ça c'est génial maintenant qu'elle a été modifiée. Parce que ça pousse tout le temps de 3. Ça c'est très bien. Voilà, on fait un troisième petit mur. Continue à taper à la flammiche. Pour un roublard feu, franchement la flammiche c'est un super sort. Ce qui nous permet de taper quand même un minimum à distance. On va aller au cac. Non, il reste un PV à la Bracknell, j'avais même pas vu. Voilà. Non, 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 non. Ouais, je vais mettre un coup de cac et j'essaierai de le tuer avec les bombes au prochain tour. Même pas, je peux jouer aux deux coups de cac, donc quitte. Voilà, hein, comme on les aura. Ah non, je peux même pas. Ben, quitte à ne plus avoir bientôt, autant. Voilà. Comme ça, ils sont morts. Donc, troisième salle, on se retrouve. La deuxième salle a été terminée. La troisième salle, pardon. On est à la quatrième, donc encore une. Et normalement, on devrait arriver contre l'Abrakhnid ancestral. Le fameux AA pour les intimes. On va juste se mettre en tactique pour mieux voir. Voilà. Non. Oh, par contre, je peux faire un sale truc ici. Faire un couloir dans lequel ils sont obligés de passer. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est un petit truc qui est assez cool avec les roublards. C'est qu'on peut faire ce que l'on veut sur les maps comme ici. Parce que vous allez voir, je vais faire en sorte que les mobs soient obligés de, entre guillemets, se suicider. Dans un mur, sans pouvoir rien faire d'autre que aller dedans. Donc voilà, je suis en train de préparer mon petit piège, entre guillemets. Donc en gros, je vous explique. Ouh là là, ça tape fort ça. Donc en gros, je vous explique. Voilà, on a le premier mur qui est formé. En gros, si vous voulez. Les mobs, ils sont obligés de passer par ici. Mais comme moi, je suis de l'autre côté, si je vais me planquer ici, si on, parce que là, je pensais pas que ça allait taper autant. Donc, ça va un petit peu changer ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Eh ben, ils vont être techniquement obligés de passer dans le mur. Donc, ça, c'est bien. En plus, il y a beaucoup de mobs. Donc, là, par contre, ça, c'était pas prévu. Il faudrait que le Trancnil meure bientôt. Voilà qui est fait. On tue lui. Et on va se mettre genre là. Je vais vous montrer. Donc en gros, si l'arachnotron il veut me taper, il est obligé de venir là. Donc il est obligé de se mettre dedans. Mais il est très con. Donc il bloque le chemin pour ses potes. Donc c'est pas grave. J'ai rien dit. On va jouer au pulsar. Tout en se planquant. J'ai encore 2 PA. Voilà. Ah, il s'est transpo l'enfoiré, c'est pas grave. Les abrasons qui tapent énormément, je pensais vraiment pas que ça tapait comme ça. Alors, une petite aimantation. Là, il se prend 670.
coup de cac pour profiter du vol de vie. Ah, même pas, j'ai même pas eu le temps. Prochain tour, voilà, on va refaire un mur avec l'autre arachnotron. Une petite aimantation. Bon, elle veut pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de sort, bien joué. En tout cas, c'est les aléas du direct, hein. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Un petit pulsar, un moins 300. Je vais même pas réussir à le finir à ce tour-ci, c'est honteux. C'est honteux. Tant mieux, la brasse sombre, faudrait qu'il se rapproche, parce que là-bas au fond, je sais rien faire avec mes bombes. Bon, il a tapé beaucoup moins. À mon avis, il a un genre de sort super aléatoire qu'il sait pas lui-même ce qu'il va taper avant. Alors voilà, donc il reste plus que la brasse sombre. J'aimerais bien qu'il se rapproche, mais on va faire autrement. S'il se rapproche pas, bah c'est nous qui allons le rapprocher. Voilà. C'est un petit 560, ça fait toujours plaisir. On va rapprocher la bombe. Petit dernier souffle. Et boum. Et voilà. Je crois qu'il n'y avait même pas besoin de le rapprocher, mais bon. J'aime toujours bien finir avec au moins deux bombes. Donc voilà, on arrive devant la brachnide ancestrale. Donc, si je me rappelle bien... C'est tuer la brachnide, le AA en premier, et utiliser tous ses PM. Donc ils ont deux abras sombres, donc, par contre il y a un abrac, donc je pense qu'ils ont que des moins résifeux, donc ça c'est bien. La map est pas mal du tout. Je vérifie ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, je vais me mettre ici. Alors le AA a moins 5% feu. On va utiliser tous ces PM comme il était prévu. En plus, il y a un tchal ici, ne pas finir avec une case adjacente à celle d'un allié, donc ça c'est pas mal. On va jouer directement le mur de bombe sur la bras pour essayer de le terminer le plus rapidement possible, sans oublier les succès. Si j'y arrive franchement du premier coup, je serai assez content. Voilà. Donc il s'en est enlevé. Normalement je devrais pouvoir faire un triple mur derrière. Oui je le tacle, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il faut lui mettre un petit pulsar au passage, hein, ça fait toujours du bien. Voilà, un petit moins 500. Il s'est pris 250. Oula, j'avais oublié, j'allais passer le tour. Donc il se prend à 281. Donc tant mieux, s'il n'y a personne qui se met dans la maligne, j'ai qu'à faire une libération et le remettre dedans. Et par contre, ce que je vais faire, je ferai avant un dernier souffle. Non! Enfin, si, si, j'ai rien dit. Je devrais pouvoir réussir à le terminer à ce tour-ci, je pense. Le troncite s'est mis dedans. Non, ça va. Voilà, on pose tout le monde. Alors, on fait la libé. On met la troisième bombe. Et on fait tout péter. Non, il est pas mort. Mais il lui reste pas grand chose. Je dois encore utiliser mes PM. Comme ça, prochain tour, je termine. On va aller au cac. Hein. Normalement, j'ai toujours la maîtrise, même pas. Voilà, on termine le AA ancestral. Donc, première bonne chose de faite. On est que au cinquième tour. Il reste déjà plus que 3 mobs, donc ça, c'est bien. Par
Par contre, ce que j'ai peur, c'est d'être taclé. Donc j'utilise tous mes PA avant de bouger à chaque fois. Voilà. Merde, j'ai oublié de faire le tchal fichier. J'avais oublié. On se booste un petit coup de cac. Voilà, on le termine, ça c'est bien. On va préparer une petite bombe là-bas. Et on va se casser. Voilà, septième tour. Donc pour le moment, tout se passe pas trop mal. Je vais encore en mettre une. Et on va ensuite bouger. Parce que le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'agi. Donc je me fais tacler assez facilement. En plus, la braque m'enlève beaucoup de PA, donc c'est assez chiant. Enfin, pas beaucoup, mais à chaque fois, juste assez pour me casser dans mon élan. Je vais essayer de tuer ce tronc-nid parce qu'il est assez casse-couille. Depuis tantôt, il me bloque tout. Voilà. Neuvième tour. Voilà, on se recule. On fait tout péter sur la braquene. Voilà qui est fait. Donc encore un mob de fini. Il n'y en a plus qu'un. On a encore mid life. Hein. J'ai pas cherché à essayer de sauver mes PA à tout, ma vie à tout prix, vous allez me dire. Voilà, on va refaire un petit mur. On utilise nos PM. Il fait un échec critique, il reste dedans, c'est encore mieux. Je vais jouer la triplette. Hein. Directement. Dernier souffle, un petit détonateur. Et normalement, il devrait. Voilà, il succombe. Donc voilà, on va voir si tous les succès ont été validés. Non, Nomade n'a pas été validé. C'est bizarre, parce que je pensais l'avoir réussi. Enfin, soit c'est pas trop mal. On a quand même mixé du 450 000. On a réussi. 3 succès, donc il n'y en aura plus que juste à faire un nomade. Je le referai par après, à mon avis. On va accepter tout ça. On parlait à nos petits techno-bnous, là où je sais pas trop comment il s'appelle. Et donc voilà. Eh bien, cette vidéo s'achève. Hein, donc, c'était tentative de donjon en solo. Donc là, le donjon à Brachnid, c'est réussi. Si vous avez des défis à me proposer, genre essayer de faire le quoi-quoi en 10 tours ou un donjon blop le plus rapidement possible, enfin, je sais pas trop, hein. À vous de me mettre dans les commentaires si vous avez des petits défis à me faire relever. Des trucs dans la limite du possible, hein, pas genre soloter le glours parce que ça c'est impossible puisque même en team j'y suis jamais arrivé. Puisque je suis encore bloqué au colosse, donc voilà. Mettez un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. À mon avis, je vais refaire une vidéo dans pas longtemps pour faire un petit point sur la chaîne et sur les séries parce que pour le moment la chaîne elle est pas très entre guillemets structurée. Donc je vais refaire une vidéo par rapport à ça et on verra bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas le commentaire comme je vous ai demandé. Allez, salut les amis, ciao ciao.